Hello, Night City. Compris. Est-ce que ce Woodman va enfin nous expliquer tout ce bordel? Ah, oula, pourquoi les textures mettent longtemps à charger là? L'éponge dans le crâne de ces poupées. Oh, c'est ça qu'il faudrait remplacer. N'empêche, il est bien fait. Putain. Ah oui, c'est vrai qu'on venait de subir la... la petite scène de la prostitute là. Attends, F. Alors. Qu'est-ce qu'il dit ce bar? Allez au bureau de Woodman. Mais on va y aller, attends, y'a rien à faire dans le bar là. Y'a rien à faire dans ce bar de merde. Allez, c'est parti. Oh, je prends des choses. Je prends des choses. Nouvel objet, un katana. Peut-être qu'on peut la hacker la porte. Je dois passer par ici, mais comment qu'on fait? Capacité technique. Et si on butait tout le monde? Ça marche aussi de buter les gens, non? Peut-être qu'ils ont la clé. Qu'est-ce qui se passe? Run. Run. Oh. Non, oh, j'ai pas la clé, putain. Ouah, mais il va me buter, évidemment. Ouais, ben voilà, il m'a buté, putain. Ouah, con. Ça peut porter à confusion. Non, mon cœur, il y a un vide derrière. C'est quoi? Tiens, regarde, il s'est relevé et il repart. Bon, arrêtons ça. Il a l'air d'avoir une tête très petite comparée à son corps. C'est vrai, non? Il a une toute petite tête, le mec. Une moto, pas un bateau. C'est que l'affaire de la voile. Oh putain. Non, par contre, ça va être compliqué d'atteindre le bureau si on peut pas passer. Allez au bureau. Et il force celui-là. Je suis incapable de passer cette porte ou quoi? Ah. Donc attends. 1C 55 55. Et ben 1C 55 55. Parfait. Installer pique à glace, super. Quitter l'interface. Ensuite. Distraire les ennemis. On peut le hacker lui. Redémarrage optique. Excellent. Piratage. Le NCPD, quoi, j'ai pas compris. Ah d'accord, il est parti. Ça va saigner. Oh, me fait attaquer. Merde, c'est pas ça. Tu fuis? Mais comment? Comment on passe cette putain de porte? Oh la tristesse, je suis d'accord avec toi. Oh, je tue tout le monde dans le bar. Oh, j'ai réussi à le décapiter. Non, il m'a buté. Il m'a buté. Oh putain. Vous êtes mort. Enfin, vraiment, je sais pas du tout comment on fait pour passer cette porte. Hein. Non, qu'est-ce que c'est? Michael. Qu'est-ce que c'est? Oui, qu'est-ce qu'il y a? J'ai le droit de faire des vocalises. Pourquoi pas? Là, il y a un truc, là. Là, c'est bizarre, là. Code de piratage. 1C55. Ça va être vite fait. Voilà. Parfait. Et donc je peux contrôler tes caméras. Yes. Il
Plus gros Doodman à 30 mètres. Attends, attends, il y a peut-être un truc à faire ici. La concentration là. Ah, je peux. Un court-circuit ? Je peux faire un court-circuit au mec en fait. D'accord. Du coup, ils sont en détresse. Attends, comment on fait pour quitter la, la caméra? Ah, je peux passer les caméras, c'est vrai, putain. C'est pas ce qui m'intéresse. C'est pas ce qui m'intéresse non plus. Oula. Je suis où là? Ah, c'est pas ici. C'est pas ici. Non plus. Ah, c'est peut-être ici. Non, ça c'est l'entrée. Oula, attends, tu m'as préparé une salade d'icônes. Mais... une salade d'émoticônes. Alors en fait ça c'est toutes les émoticônes que tu as et il n'y a pas moi, c'est ça? C'est ça. Mais comment je fais pour... Fais un petit E, un N majuscule, et ERV en minuscule, énerve, pour voir si ça met l'émoticône. Énerve, E-N-E-R-V, avec le N majuscule. E-N. E-N, le N majuscule, ERV. Non, sans le E à la fin. Ah bah non. Ma foi. C'est bizarre. Hein. Bon, comment je fais pour quitter cette... c'est le menu là. Quitter C. Eh bah dis donc. Ah, je peux fermer les portes. Mais je savais pas qu'on pouvait fermer les portes derrière là. Je suis engourdi. Mais arrête, c'est bon, j'ai compris. Évidemment que je marche. Quelle puissance. Des cartes. Ok. Ouais, j'ai cette moto. Pourquoi tu dis ça? Mais parce que j'ai compris ce que tu veux dire. Ah, parce que j'ai ramassé des cartes. Où c'est enfoiré. C'est qui Brent Lurk? Redémarche optique. Je redémarre l'optique de ce gars. Allez, redémarre. Piratage rapide. Niveau sup. Qui est là? Mais comment il m'a vu lui, putain? À quoi ça sert de faire un redémarrage optique s'il si nous voit après? Mais va te faire. C'est moi, ouvre la porte, relax, je cherche quelqu'un. Ça va, du calme. Je cherche une fille. Du calme? Je trouve ça assez marrant de la part de quelqu'un qui vient de massacrer ma sécurité. Ok, j'avoue, ça a un peu dérapé. Mais coopère et personne... pour l'instant, je massacrais personne. Je négocie pas avec des terroristes. Allez, puisse prendre. Merci, Oh! Voilà. J'ai réussi à monter le tour ou pas? Un peu, ouais. T'es sérieuse comment t'as fait ça? Il y a quelqu'un ici. Hein? Comment t'as fait? De quoi? Tu veux jouer? On va jouer! Ah ouais, c'est vrai que t'es VIP. Oh putain. Je suis mort. Tu m'as tellement dérangé que je suis mort. Tu m'enlèves pas ça. Attends, attends, je vais rebaisser le son, moi. Je suis un malade. Propriété audio, attends, attends. On va mettre les sons d'alerte à 30%. Voilà, ça sera bien mieux. Une moto, pas un bateau.
C'est une Parfait. Affaire de la voile. Bon, on peut... Ah, ça me fait venir ici. Trop cool. Eh, j'ai monté de niveau de compétence, ça a fait une sauvegarde auto. D'accord. C'était quoi? Eh, les clients ont pas le droit d'entrer ici. Ah ouais? Pourquoi? Tu fermes bien la porte en sortant. Merci, merci pour le GG, ouais. Comme tu peux le voir. Je suis très occupé. Je cherche Evelyn Parker. Je cherche une fille, Evelyn Parker. Il n'y a personne de ce nom qui travaille ici. Plus maintenant, peut-être. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a sûrement réalisé le rêve de toutes les poupées. Dénicher une licorne, et puis changer de vie. Bon, ouais, ça va, je le rebaisse pour les autres. Hey, tu peux te taper mieux. J'avais mis à 30%, on est d'accord. Et c'est Roxy, tiens, c'est à cabine 2. Et t'as monté à combien? Même petit cul en forme de poire. À 100? La puce comportementale. Je suis malade. Le reste. Tu sentiras aucune différence. Moi, si je vais te voir, qu'il y a Perry, il faut l'entendre. Tu m'as l'air raisonnable, faisons un marché, non? Je ne comprends pas ce qui est en jeu. On t'appelle Woodman, c'est ça? C'est parce que t'as le charisme d'une bûche? On dirait que t'as pas l'air de bien saisir dans quelle situation. Quelle situation? Mais de quoi tu causes? Tu crois que j'en ai vraiment quelque chose à foutre de toutes les bites molles qui entrent ici? Quoi? Sérieusement? Mais non. Non, là tu m'étonnes. Non, là tu m'étonnes. Il peut faire ça? Attends, faut que je vois ça. Pause. C'est toi qui me rend cher depuis tout à l'heure. On me fait tourner en bourrique. C'est toi, hey, c'est toi qui a ramené la bouteille, avoue-le. Avoue-le. Ouais. Bah quoi, j'en ai vu d'autres, des films d'horreur, moi. Non. Ah. Tes parents, tes patrons devraient voir comment tu traites les clients. Bon, on en a terminé. Hein? Et j'oublierai pas de dire à tes chefs comment tu traites tes clients. Qu'est-ce qui te fait marrer? Alors déjà, je doute sérieusement que tu saches qui est mon boss. Parce qu'autrement, tu parlerais pas de mes chefs. Ensuite, elle est marrante. J'ai bien envie de t'amener à... Ah bah ça a pas marché pour moi non plus. Tout de suite. Juste bizarre. Pour voir sa tête quand tu lui raconteras ce que t'auras inventé en chemin. Bannir ton vrai avant l'utilisateur. Vas-y. Mais on a tous le droit d'aller voir un boss. Je chercherai du côté de l'argent. C'est quasiment écrit sur sa gueule qui truande. Oh la pute. Je peux pas. Je sais que tu piques dans la caisse. Est-ce que je le fais ou pas pour faire? Je sais que tu détournes du fric de cette... Vas-y, tente-le. Combien t'as déjà piqué? Je sais pas, pour des... Putain, mais qu'est-ce que tu racontes? Alors je suis pas. Je parle des édits que tu détournes des comptes du cloud chaque semaine. Je détourne que dalle. Débile. Bim! Est-ce que t'es banni ou pas? Moi je pense pas, non. Envoie un message. Je vais essayer. Je vais envoyer une émoticône. T'as écrit Y, c'est ça? J'envoie une tête qui fait yes. Je pourrais te tuer à main nue. Écoute-moi bien, tête de gland. Apparemment, t'aimes jouer les gros fumiers, les pieds posés sur ton bureau. Tu crois que t'es le premier connard à essayer de m'envoyer chier? Et pourquoi tu me sucerais pas la teub plutôt, hein? Qu'est-ce que t'en dis? Je pourrais aussi t'éclater la tête comme un ballon à main nue. Mais je doute fort que t'aies envie que je te montre comment ça marche. Je crois qu'ils se sont rappelés que c'était toi qui étais titulaire. Je pisse déjà dans mon froc. Attends quoi? Attends quoi? Quoi? T'as dit quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Ah! Voilà! Tiens! Tiens, je lui passe un... Comment dire? Je lui passe un savon.
Mais le katana, c'est le savon. Merde. Mais j'ai que ça, moi, sur moi. Putain de ça. Voilà, il est mort, il est mort, il est mort. Il va tout défoncer. Voilà. Et maintenant, bah, je sais pas, scanne ses yeux de poisson. Tu trouveras peut-être la vérité. J'attends, bouge. Ou alors, t'as perdu ce droit. Ça pourrait marcher. Ou je boycotte. Tu as perdu le droit de modération. Attends, tu veux ban l'utilisateur, mais tu es malade. Attends, attends, je vais te remettre, je vais te remettre, je vais te remettre. Zarzou. Alors, nommé modérateur. Hop. Tu es modératrice. Bannir l'utilisateur. Ah, c'est pas possible. Boah. Mais là, c'est des armes. Un problème est survenu. Quoi, tu me bannis? Ou je boycotte ta chaîne et je montre mon huc, t'es sérieuse. Tu es modératrice. Tu es modératrice. Si, si. Bah, l'icône modérateur, elle est revenue. Que... C'est bon, j'ai une arme maintenant. Et il y a un reste de burger ici. Mais qui fait ça? Qui mange trois quarts d'un burger parfaitement droit comme ça? Et le laisse sur le bureau. Excuse-moi, Bali. Johnny Silverhand. Et je veux bannir ou pas? C'est quelque chose ou pas mon... Mais tu es super chiante là ce soir, qu'est-ce que t'as? Hein? Obtenir plus d'infos sur Evelyn. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah, sur l'ordinateur évidemment. Excel, Oups, ceci. Ah, poupée cassée, c'est quoi ça? Woodman de Golden Fingers. Wow. Il l'a vendu à un charcutoc. Et il paraît que... Il paraît que vous êtes un spécialiste de tes poupées. J'en ai une qui est salement amochée. Vous pourriez venir la voir, venez au cloud. Dans une ruelle de pute, ça doit faire fantasmer toutes les putains. Dans une ruelle de pute, ça m'étonne. Tu sais quoi? Jerry O'Connell répond au sujet de ce boulot au cloud. J'ai reçu une autre offre. Il faut que je leur donne une réponse. C'est pas comme s'ils allaient attendre des plombes. N'as-tu pas honte de me bannir, moi? Mais je t'ai pas banni. Je t'ai pas banni, je t'ai juste retiré le droit, modératrice, pendant une minute ou deux. On fait affaire. On s'occupe de la marchandise. Réunissez 5 ou 6 filles et 2 gars. Mais assurez-vous qu'ils sont vraiment jeunes. Pas comme il faut. Ce symbole est très bizarre par contre. Ginger Lake. Salut Jinger, comment ça va? J'espère que t'es en pleine forme. Comme d'habitude, et que t'as pas encore littéralement sucé jusqu'à la moelle tous les contacts chez les keufs. Etc, etc. Maiku. Quoi, il y a un message de Maiku. C'est la même Maiku que celle qui nous aide ou c'en est une autre? Et Hiromi Sato. Le problème par cœur est résolu, patron. Je l'ai envoyé chez un charcu de Jig Jig Street. Un certain Fingers. Si vous aviez vu sa gueule, enfin bon. Il va s'occuper d'elle à présent. Ok. C'est tout ce que l'on pouvait voir sur le... Ah, peut-être. Ok, allez, on sort de là. Comment on fait pour rengainer là? Non, ça c'est un coup de crosse. Bon, je sais pas. Elle a laissé son sac. Sac à main d'Evelyn. Peut-être qu'elle en a plusieurs. Toutes ses affaires sont dedans. Elle a dû partir en vitesse. Du parfum. Le mec trouve un sac à main, il sait que c'est celui d'Evelyn. Comment t'as su que c'était le casier d'Evelyn par contre? Mais ça s'écrit hot dog ou ça s'écrit out dog comme ils écrivent en... Comment ça s'écrit en fait? Il y a tellement d'écritures différentes. C'est super chiant. Résistance, c'est quoi? En regardant dans les fonds. Bah oui. Les baffes. Les sous-bassements. Comme dans le pibou. Ah, lui va me voir. Je crois qu'il m'a vu. Bon, il est un peu mort, mais il m'a vu au moins.
Ah, il est pas mort. Pourquoi les gens ne meurent pas? Meurs, putain. Carte VIP. Oh, une carte VIP. C'est quoi son délire, lui, avec son katana, là? Bref, putain. Et j'ai un katana en plus. Oups. Oh, l'enculé. Il m'a défoncé avec une grenade. Putain. C'est ballot. Tu mérites. Quelle méchanceté gratuite. Quelle méchanceté gratuite. Elle a laissé son sac. Peut-être qu'elle en a. C'est un droit à un massage ce soir. Toutes ses affaires sont dedans. Mais jamais. Elle a dû partir en vitesse. Tu n'aurais pas dû me bannir. Essayer de me bannir. Si tu te tiens à carreau, peut-être que t'en auras un. Ah ouais, merde. Voilà. Je l'ai eu, je crois. Attention. Ça fait boum. Et ça leur fait rien. Par contre, moi, je suis mort. Non, mais est-ce que tu as vu ça? La grenade qui leur fait que dalle. Il a même pas bronché, le mec. Putain. Je ne sais pas viser. Une grenade à ses pieds et il a pas bronché. Il a pas bronché. Elle a laissé son sac. Peut-être qu'elle en a plusieurs. Toutes ses affaires sont dedans. Elle a dû partir en vitesse. Dans quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mais de quoi tu me parles? Ah ouais. Pourquoi tu parles de mardi? On est vendredi. D'accord. Ouais ouais. J'ai déjà vu ça. Qu'est-ce que c'est? La veste d'Evelyn, toute froissée. Ouais, elle doit être là depuis un bon bout de temps. Okay. Ça va. J'ai trouvé la veste d'Evelyn, dis donc. Elle a tout laissé derrière elle, en fait. Elle est partie sans rien, quoi. Elle est partie à Walpé. Pas du tout. Si tu te montres, on te fera pas de mal. Si tu te montres, je suis là, imbécile. Tenez, prenez ça, on va voir si ça marche. Cette fois-ci. Ça n'a pas marché. Je prends le temps de recharger et tout, mais je veux pas bien moi. Et où? Bâtard, je faillis pas que t'es là moi. Bon, Santo. Il m'en reste 10. Non, il m'en reste 9. Ça devrait aller quand même. Putain, il a perdu un bras dans l'histoire l'autre. Sexe et chrome. Des vagues de plaisir déferlent sur moi, s'infiltrant dans chaque pore de mon corps, comme l'eau de mer dans le sable. Encore, j'en veux encore, j'attendais depuis si longtemps de sentir son souffle sur mon cou. Ses mains autour de ma taille, ses doigts caressant mes lèvres. Nos corps s'en mêlent dans une danse primitive, accélérant au rythme des grincements de ressorts du lit. Ce texte est débile. Notre peau illuminée par les néons clignotants.
Je ne m'entends pas gémir, mais ma gorge est si sèche que c'est sûrement le cas. Ah, vidéo. Excellent. Je viens de passer, t'es là. Ouh, ça ouvre la porte. La fameuse. Oh le bâtard. Non mais ce jeu. Bonjour le réalisme. Tu tires dans la tête 10 fois d'affilée, le mec ça lui fait que dalle. C'est bon? Il a eu son compte, je crois. Ok. Donc je passe par là. Est-ce que c'est ça, du whisky? Du rebond MK, ok. Du whisky de Wisconsin, ok, pourquoi pas. T'as d'autres commentaires comme ça? What? 3. 2. Donnez 3, ça. Fuck. Alors ça... Je sais pas si ça se considère comme un bug ça, mais c'est... Ouais, c'est un bug, putain. Bienvenue en Cyberpunk 2077. Cassez-vous, putain. Mais prends ton temps pour recharger surtout. Eh merde, il m'a eu. Putain. J'ai l'impression de leur faire zéro dégâts et eux ils font tellement mal. C'est un truc de fou. Elle a laissé son sac. Oh, je reprends ici en plus. Peut-être qu'elle en a plusieurs. Toutes ses affaires sont dedans. Elle a dû partir en vitesse. Oh 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 oh. Bon, t'as calmé? C'est dingue. Mais faut leur tirer combien de balles pour qu'ils soient vraiment morts? C'est un... dingue. Pas comme ça, putain! Ah, ah. Surprise! Les déchus? Il parle des déchus? Non mais merde. J'ai déjà vu ça. Qu'est-ce que c'est? La veste d'Evelyn, toute froissée. Mais... Elle doit être là depuis un bon bout de temps. Un masque à gaz. Voilà. Parfait. Un casque de chantier. C'est mieux ça par contre. Stylé. Le petit short, il a l'air mieux que le pantalon. Ouais, oh. Celui que j'ai équipé, il est très très efficace.
C'est quoi cet émoticône encore? Tu sais qu'il y a des chats qui sont réservés aux émoticônes? Ouais. Il y en a, ils passent leur chat en émoticône exclusif. Ah, mais je crois que c'est un flingue, ça. C'est trop bizarre. C'est un pistolet mitrailleur, d'accord. Je m'oppose à cette idée. C'est tellement raison. Les gens ne peuvent plus s'exprimer en fait, ils ont que des têtes et des smileys, des trucs. Mais où elle est la liberté d'expression, hein, tu me le dis? Nikta, ok. On va commencer par la sienne, celui-là. Nique ta sœur. On va la sienne, si tu veux. Mais non, je parlais du mec, parce que j'étais en train de tuer quelqu'un en même temps. Que je lisais ton com. Merde. Les saucisses, les bavés exprès. Ça va, t'inquiète, c'est pas grave, c'est pas grave. On a passé 22 heures sur Twitch, je peux t'exprimer, je peux t'exprimer. Qu'est-ce que c'est? Bise. Bise, d'accord. Yeah, y'en a qui est en train de se suicider là. Il va se tirer une balle dans la tête. Enfin, dans la bouche. Ils font des bonnes pubs dans Cyberpunk, hein. Ça s'appelle de la vendetta à ce niveau-là. Ce que je lui ai mis. Comment ça, pas comme ça? Si, il me vole quoi. Viens là, viens là. Viens, approche. J'ai un petit cadeau pour toi. Vise les burnes, ça marche pas trop. Une bouche à queue. T'as tout compris. Bah en même temps, on est dans un nightclub. Ça peut être que ça. Oh, oh, oh. Merde, j'ai plus de balles. J'ai plus de balles du tout. Un pulsar. Ouais. Lexington. Voilà, il est mort. Oh, par contre, le ray tracing ne marche pas du tout, en fait. Dans ce jeu, c'est complètement buggé. Alors, graphisme. C'est où? Ray tracing. Bon, voilà. Au moins ça règle le problème. C'est bon? Ouais, voilà. Le plus bug dégueulasse. Parfait. Ça fait mal. Hop, 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 hop. Bah mais les flingues c'est court portée. De quoi? Ouais, je sais. Oui. Je pense. Ouh, American. Quoi? Tiens, voilà. Excellent, merde. Voilà, je suis monté. Parfait. Vous avez pas des munitions pour moi, là? Il y a des gars qui avaient quelque chose d'intéressant. C'est quoi ça? Ah, c'est pour les hologrammes de pute, d'accord. Là, les dégâts sont réalisés que sur les caméras de surveillance, quoi, en fait. Je suis dans l'obligation de vous rendre vos armes. Je sais rien, moi, je travaille juste ici. Il y a encore une qui parle sans... Sans s'élève qui bouge. Ça va, là? Oh, la pause qu'elle a pris, quoi. C'est une batterie, box. Ce que vous faites, est illégal. Si vous n'arrêtez pas, le NCPD mettra votre tête à prier. Ah ouais?
Elle a quoi d'important? Mandat d'arrêt émis, mais il est où le témoin, putain? C'est qui m'a balancé, là? Elle a un implant qui balance tout seul? C'est ça? Et le flic, il est déjà là!